Bonjour, bienvenue sur Les Ex-Vision. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse concernant le match des huitièmes de finale entre le Sénégal et l'Ouganda. Sénégal aussi a décroché son ticket pour les quarts de finale. Maintenant, il va affronter l'équipe béninoise, elle aussi qui a éliminé les Marocains. Et le match d'hier entre le Sénégal et l'Ouganda, c'était un très très bon match. Tous les deux ont joué, mais malheureusement pour les Ougandais, ils n'ont pas décroché le ticket pour les quarts de finale. Maintenant, le Sénégal affrontera en quart de finale l'équipe béninoise. Et là aussi, je pense qu'on aura un très bel spectacle parce que c'est vraiment, j'ai confiance à l'équipe sénégalaise, mais aussi cette équipe béninoise qui nous a vraiment fait vibrer hier parce que c'est une équipe qui a très très bien joué malgré l'arbitrage a joué sur eux, mais ils ont pu quand même relever le défi et ils ont mis les Marocains hors touche. Et le Sénégal, c'est une très très bonne équipe aussi. Je pense qu'on aura un très bel spectacle, ça c'est sûr. Maintenant, aujourd'hui, on verra aussi le résultat des autres rencontres et on verra qui ira au quart de finale. Dans cette rencontre d'aujourd'hui, l'Égypte est favori entre l'Égypte et l'équipe de Sud-Afrique. Je pense l'Égypte sera vainqueur de cette rencontre. Mais on ne peut, dans le football, tout peut arriver. Tout peut arriver, ça c'est sûr. Tout peut arriver. Parce que hier, personne n'avait pensé que l'équipe béninoise allait éliminer les Marocains en huitième de finale. C'est tout pour aujourd'hui. On se reprend pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas surtout de mettre en commentaire vos impressions et surtout vos impressions concernant le match entre Sénégal et l'Ouganda. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo si elle vous a plu et partager et surtout beaucoup de likes.